Bonjour internautatrice et internautateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On se retrouve sur Terra Invicta où je me suis fait un petit vaisseau que j'ai appelé un réservoir dont le rôle principal sera avec ses 100 trucs de propergol d'aller refiler à d'autres. Bah, du propergol pour qu'il puisse se déplacer, et puis accessoirement il a aussi une aire de réparation histoire de pouvoir faciliter un peu le boulot si besoin de quelque part. Je lui mets même pas de blindage, ça va être vraiment un outil de base pour enfin dont l'objectif sera principal sera de pouvoir rapidement aller alimenter en énergie d'autres vaisseaux, typiquement pour les récupérer ceux qui font le transit entre Mercure et Vénus. Voilà, il va accompagner les autres flottes. Je vais donc en construire un. Tac. Ça coûte combien ça? Ça coûte 256 de. De métaux nobles. Qu'est-ce qui coûte autant? Qu'est-ce qui me coûte autant? Est-ce que c'est le réservoir? C'est le réservoir qui coûte autant? Eh oui. Ah, celui-ci coûte nettement moins. Ah oui, mais non, c'est que j'en mettais 6. Eh oui. Excusez-moi. 59 de base, 51. Ok. Ah, celui-ci va encore plus vite. Parce qu'il y a une plus grande accélération de croisière, j'imagine. Ça me permet de tester. Ce que je me disais, là je cherchais. Celui-ci a une poussée de 9,4, celui-ci dit. Vitesse d'échappement. Là, là qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis bord à fusion. Et je me disais que c'était plus intéressant de mettre ça. Sauf qu'en fait, ça c'est plus lent. Et ben on va mettre du bras à fusion du coup. Sans doute parce que ça a une meilleure accélération. Accélération de croisière. 26,6. Accélération de croisière. Ah oui, l'accélération de croisière est moins bonne avec celui-ci. Je sais pas si c'est lié. J'arrive pas à comprendre en fait ce qui cause cela. La 256. Là, ça va beaucoup plus vite. Une semaine 56. Alors que là, 2 semaines 48 et ça coûte plus cher. Et j'ai même pas besoin que ça aille aussi vite. Techniquement, on va faire à l'économie. Hein. On va en mettre 2. Allez. 3. 3. Ouais. 2, 2, bim. Hop. Et donc, du coup, celui-ci, je le supprime. Je peux pas le renommer. Non, je peux pas le renommer. J'aime pas ce nom. Bref. Tac. Donc je vais m'en faire un vite fait autour. Alors pas de Mercure du coup. Quoique. Si je vais le faire autour de Mercure comme ça. Tac. 82, c'est presque un peu cher. Bon, ceci dit, maintenant je gagne quand même nettement plus. Depuis que sur Jupiter, j'ai construit toutes mes stations automatisées. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, sur Terre. On avait fait un transfert de pouvoir, maintenant c'est le califat
Il contrôle la majorité des territoires. Ce que je vais faire, c'est que je vais en plus. Ça, j'ai fait ça entre les épisodes. J'ai mis l'Égypte en tant que rival, histoire de pouvoir le récupérer rapidement. Sachant que si je le faisais tout de suite, ce serait pas une bonne idée parce que ça ferait une grosse grosse baisse de la cohésion. Donc il va falloir que j'attende un tout petit peu, mais c'est pas très très grave. Ici en attendant, bah, je fais diminuer au maximum le bien-être. Là, on est bien comme cela. J'ai deux armées, c'est largement suffisant. Je suis en train de m'emparer. Ah oui, non, parce que du coup, le califat est pas en guerre. Mais c'est pas grave. Voilà, et puis donc, sinon, entre les deux épisodes, j'avais essayé de faire en sorte de déclarer plein de rivaux avec pour l'Éthiopie, donc qui peut désormais, qui a des revendications sur toute l'Afrique. Le seul souci, je suis un peu haut, c'est que je ne peux pas déclarer de rivaux, parce que pour que je puisse déclarer des rivaux, prenons par exemple voilà, n'importe quelle Namibie, il faut que je sois soit voisin, soit que l'Éthiopie est une marine, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais devoir d'abord prendre un port, puis construire une marine sur mon armée. Et quand j'aurai fait ça, je pourrai déclarer les guerres que je veux. Ou sinon, il va falloir que je le fasse de proche en proche, en fait, avec que je déclare les rivalités avec bah, les voisins directs. Donc je vais pouvoir m'attaquer au Kenya, je vais pouvoir m'attaquer également à la Somalie. Alors c'est pareil, il va falloir que j'attende un peu parce que là, ils sont passés rivaux. Ah non, ils sont alliés. L'objectif, c'est que la Somalie, je la confédère, mais ça va pas être, ça va être long. Là, par contre, je vais pouvoir récupérer l'Éthiopie relativement rapidement. Mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pareil, il faudra que j'attende. Non, l'Érythrée, pardon. Voilà les plans, et donc bah, pour le reste, là je vais pouvoir aussi. Ah oui, ce que je dois faire, je vais devoir gérer les rivalités pour le califat, qui peut donc. Alors je suis déjà en rivalité avec la Turquie, mais la Turquie, je vais faire gaffe parce qu'il y a un barrage stratégique. Par contre, en Iran, il n'y en a pas. Tout le reste, c'est à moi. Donc, je peux récupérer la Turquie d'une part et l'Iran d'autre part. Donc, je vais tout de suite rivaliser. Tac, tac, tac. Gérer. C'est le protectorat qui me tient. Donc, l'Iran, paf, rival. Hop. Voilà. Tout le reste étant à moi, donc il va juste falloir que je fasse en sorte de désarmer la Turquie. Pour ce faire, bah, je vais avoir besoin d'envoyer ma petite troupe. Tant pis pour la résistance ou pas. Donc ça va être mon objectif maintenant, ça va être de récupérer la Turquie. Ici, là il faut que je fasse baisser. Non, la première étape, ça va être de faire baisser l'agitation. Parce que mine de rien, c'est un peu dramatique. Adriel, t'es ici déjà. Citron, tac, non, pas Citron. Dashus. Tac. Bon, et toi, 89%, paf. Voilà, Citron, tu vas me déclarer une nouvelle guerre. Ici, contre le Nigeria, je pense que ça devrait le faire. Ça me permettra de voir combien de temps est-ce que je peux pour l'Érythrée. Hop. Et on est parti. Donc la Turquie, ce sera l'objectif suivant. Hop. I will help them. Alors, la maison d'Islam, le califat, donc.
toujours plus. Ça va être un favori. Je sais pas trop où ça mène comme revendication, mais. Hop. Tout ça, j'en ai plus vraiment besoin. Là, on va peut-être faire plusieurs tours. Hop. Things are stabilizing. Things are cooling off. Un deuxième tour comme ça, et ça ira bien. Hop. 50 000. Hop. Ça fait un peu peut-être double emploi. Hein. Mais ça me permettra peut-être de faire une fusion entre l'Éthiopie et l'Union africaine et le califat. Un hyper super grand méga état. Avec toute l'Afrique et ensuite il me restera juste ça et j'aurai tout le monde. Et du coup, et ensuite non, il me restera juste les micro-bouts en Europe là. Ce sera drôle. Ce sera drôle. Tiens d'ailleurs, en parlant de trucs drôles, je rappelle de toute façon mes objectifs, il est là principalement. C'est quand même d'arriver à m'attaquer de façon définitive aux aliens. Et ça, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Pour ça, il me faut une plus grande flotte. Je me souviens plus si j'avais lancé mon Titan. Non, je l'avais pas lancé parce que il est où mon Rotitan, mon Titan là, mon Titanium. Il me coûtait un bras. Alors là, j'ai suffisamment. J'ai pas encore assez de métaux nobles. Ok. Mission complete. Alors, déclarons la guerre. Alors, si je déclare la guerre à l'Érythrée, 0,38 de cohésion. Sachant que je suis à 4. Et le Kenya. Hop. Oui, ça je peux. Et je ferai l'Érythrée au prochain tour. Les États-Unis. Yes. Union asiatique, non. L'Inde, non. Le panier, l'Égypte, non. Par contre, le califat, oui. Hop. Wrapping up here. Hop. Envoie tes armées califiennes, s'il te plaît. Par. Au Kenya. Merci. Ah oui, je peux pas passer par. C'est con. Tu te contenteras d'une seule, et puis j'enverrai la copine à côté. Hop. Et voilà pour le Soudan du Sud. Tac. Ça, c'est l'armée égyptienne, d'accord. Là, qui est un peu coincée, du coup. Elle est complètement coincée, bah tant pis. Alors là, et toi, bah du coup, tu vas refaire une déclaration de guerre. Heading to the capital. Ah, l'Érythrée. Offering support. Pourquoi j'ai un laboratoire des sciences ?
C'est quoi celle-ci? Ah, c'est celle qui est en train d'être désactivée. Order is returning. Violence is abating. Ok. Things are cooling off. Ah, order is returning. Très bien. Oui, je l'aurais dit. We'll j'espère, j'aurais pas dû. Policy direction complete. La guerre. Hop, 028. Allez. Les États-Unis, oui. Tac, tac, tac. Non, oui. Cleaning things up. Ah, un petit succès, construire un vaisseau avec. Il va au moins à 1000 km/h. 1000 km/s, pardon. Donc. Hop, emmenez-moi. Et donc, toi, tu vas aller rejoindre les copains. Alors, qui seront quand du coup? 12 juin 44. Je serai bien avant. Toi, tu vas être. Donc. Réservoir. Ma flotte réservoir. Alors, le problème c'est que je me souviens plus où est-ce qu'ils vont. Soleil Venus L4, parfait. Tac. Tu vas vers Soleil Venus L4. Et parfait. Tu vas dépenser. Mais t'arriverais quand arrivé 24 juin 44. Est-ce une coïncidence? Non, perdu. Perdu. On a dit Vénus, Soleil, L4. Bon. De toute façon, j'ai tellement de... Je m'en fiche un peu. 116, j'ai 500. 1500, j'ai tout ce que je veux. Hop, il attendra sur place. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé entre-temps? Désactivation... Ah oui, d'accord. Là, c'est les modules des stations qui disparaissent peu à peu. Hop. Alors, allez, on est parti en Turquie, donc on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un peu d'agitation, des inégalités hautes, naze. Est-ce que tu nous fais une prise cash, toi, ou pas? Quasi. Hop, oui, quasi. Qu'est-ce qu'il y a comme passif? Répression, détention, assassinat. Coup d'état, bof. Terminating the opposition. Standing by. Le citron qui va me faire. Standing by. Un petit cassage. Tac. Cracking down. I'm here. Et Gilou. Qui va me faire. Tac. Hop. Removing our enemies. Ready for my mission. C'est presque pas normal de pouvoir le faire aussi facilement. I will try to sway the public. Ready to go. Hop. I will try to sway the public. Et voilà. Alors, arrivé en orbite de Terre basse 1 le 18 avril. Ah. Et ben, c'est parti. Pourquoi ça me coûte aussi cher? En Delta V. J'ai quoi comme vaisseau là-dessus? C'est fou ça.
Ouais, là, le problème, c'est que j'arriverai trop tard par rapport à eux. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis une alerte plus tôt que ça? Ouais, c'est pas grave, ça va diminuer le facteur de puissance. Au pire, j'irai les récupérer Lending my expertise. avec une autre. Nelibi autour de Ganymède. Ça, c'est mon niveau 3, c'est ça? Ah non, là, il est pas alimenté. C'est un peu con, ça. C'est carrément stupide, même. C'est débilos. Moi, j'aurais dû en garder un. Hein. Tant pis. C'est carrément débilos. Allez. C'est parti. Bon, j'aurais dû faire un. J'aurais dû faire un automatique, ça va être une vraie charpie. Hop, allez, on y va. La vitesse grand V, je les mets en tir concentré uniquement sur la cible principale, non. Posture d'attaque, les armes gardiennes ne tireront pas de manière défensive, ça joue vraiment pas l'intérêt. Posture équilibrée, c'est ça. Hein. T'as quand même la cible la plus proche. Gardien. Ok. Hop. On remplit les réacteurs. Allez. Assistons au massacre. Bim. Oh là, le massacre. Il m'a un peu touché quand même. C'est une honte. Hop. Et le petit dernier. Boum. Il fallait fuir, Coco, il fallait fuir. C'est marrant, il n'a plus de laser, je remarque. Bon. Le canon à plasma qui le défonce. Je sais pas pourquoi, vraiment, il tire dans tous les sens à la fin. Bon, il a peut-être touché un peu, c'est une honte. Inadmissible. La flotte annulée. 14,6, très très bien. Hop. Alors, tac. Du coup, tu rentres à la maison. Ou pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas rentrer à la maison? Pourquoi tu me dis pas que je peux? Si, d'accord. J'ai pas compris. Retourne sur mon galore, s'il te plaît, merci. Hop. Et tu te réapprovisionnes. Merci. C'était rapide. The people will come to our side. We've moved the needle. Hop. We've neutralized their key trop people. Facile. 96%. Hop, toi t'as plus qu'à attendre les copains. Our associates are now in charge. We are in control now. Voilà. 2 sur 3.
Et le dernier ne va pas tarder non plus. Tac. Le dernier ne va pas tarder parce que... Tac, tac, tac. Parce que j'ai même pas besoin de faire un... Tac. Allez, c'est 99%. Je fais encore deux petites missions, donc du coup je vais pouvoir déclarer la guerre. Hop. Et Gilou. Agitation 04. Ici il faut sans doute que je fasse diminuer l'agitation aussi. Hop, on va commencer tout de suite. Ah non, tiens, il faut que je consolide l'Union radiatique. Securing our interests. Désactivation des quartiers. Tac, tac. Offering counsel. Making things safe for our people. Ça, c'est un peu con, ça. C'est très 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 con ça. Abruti, putain. Dégradation de l'environnement. L'environnement de la région de Wilhelmstadt a atteint le point de non-retour et se dégrade rapidement. Les conséquences du réchauffement climatique provoquent des dégâts écologiques et économiques croissants. L'agriculture devient de plus en plus compliquée car les sols s'érodent et les saisons fertiles raccourcissent, détruisant le moyen de subsistance des fermiers, menaçant l'économie des États-Unis d'Amérique du Nord. Core, le grand capital qui parle. Je peux gagner des sous. Baisse de son PIB, agitation. C'est vraiment totalement inintéressant. C'est totalement pas RP, mais. Mais bon. En fait, il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer l'autre. Bon, c'est très très con ce que j'ai fait, c'est pas possible. Sérieusement. Là, c'est pareil. T'as aucun intérêt de faire ça, quoi. Hop. Public sentiment is increasingly with us. Ok, on s'arrête là. Public opinion is moving in our direction. Et on part en Érythrée. Propulseur à flux neutronique. Et ensuite, c'est torche à flux neutronique. Donc, ce sera le suivant. Moteur laser avancé, même si ça ne sert pas à grand chose. Tac. En Érythrée. Ouf. Mission complete. Le califat va déclarer la guerre à la Turquie. Hop, si je fais là, ça ferait 0,11 de cohésion en moins. C'est pas très très vilain. Juste pour être sûr. C'est quoi les relations? Ok, aucun allié de dangereux. Le califat, oui, prendre part à la guerre. Non, 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 terminé. Non, j'aurais dû recommencer. Là. Alors, vous voyez, les armes américaines. Le temps qu'elles arrivent, j'aurais pris le contrôle du pays. La capitale, c'est quoi? C'est... La capitale, c'est Ankara, logique. C'est donc cette région-là. Celle-là, elle est commandée par la résistance encore. Et pour très longtemps. Hop, j'en ai envoyé deux, ça suffira bien.
qu'est-ce que j'ai terminé là? Nano-usine qui n'est pas finie, ferme réacteur. Hop. Complexe de fabrication qui n'est pas fini non plus. Ok. We are in control here. Voilà, succès critique. Hop. Hop. Toi, tu bouges ici. De toute façon, ça va être vite terminé. Du coup, Citron, tu recommences ta mission ici. Et vous, comme vous avez fini votre taf, vous allez diminuer l'agitation. Il faut le faire très vite. Your orders? Restoring order. What's the op? Tiens, même Brieux, tu as arrêté de slacker. Your orders? Hop. Where to? Time to make our move. Tac. Standing by for orders. We'll restore peace to this nation. Ah, where do you need me? C'est quoi, ça va, attends. We'll turn down the heat. J'ai besoin de diminuer l'agitation parce que ça me permettra de d'augmenter le développement. Les points de développement et de bâtir plus rapidement mon armée, parce que là je peux plus déclarer de guerre, con que je suis. Ah, par contre, ce que je peux faire, c'est déclarer des rivaux. Je peux déclarer comme rivaux, logiquement. Alors la Turquie, ça sert à rien. De toute façon, je vais le voir là. Hop. Non, pas l'Indonésie. Ça viendra en son temps. État des Grands Lacs, République Centrafricaine et le Congo. Pour le Congo, ceci dit. Oui, si, si. Hop. Il me faudra combien de temps avant que je puisse fédérer Califat, Égypte, la Somalie. Eh bien, allié. Hop, Union africaine, 16 octobre. Pas pour tout de suite. Confirmé. Lune volcanique des scientifiques. De base, quartier observe les volcans de Io. Io est l'objet de l'activité volcanique la plus élevée du système solaire, avec plus de 400 volcans actifs. Et nos bases sur place étudient ces phénomènes de très près. La cause de ce volcanisme extrême est la force des marées générées par la gravité de Jupiter et les autres lunes galiléennes, générant une chaleur extrême par friction, sans doute. Des courants de lave s'étendent sur plus de 500 km et couvrent la surface de Io, projetant des matériaux au-delà de son atmosphère, créant un tore de plasma autour de Jupiter. Les ions rejetés par Io forment aussi le champ magnétique de Jupiter, rendant la planète deux fois plus grande que ce qu'elle pourrait être autrement. Ebé. Ebé. C'est rigolo parce que je vous en ai parlé il y a quelques épisodes. Je suis en train de lire la série The Expanse. Enfin, la série de romans The Expanse, après avoir vu la série télé. Et il se passe des choses sur Io, entre autres. Et c'est marrant parce qu'effectivement, ils évoquent le fait que ce soit la planète avec une planète avec un système volcanique très très important. Les liens sont amusants. T'es qui toi? Ah oui. Oh, il m'emmerde. Oh, je vais conquérir ça à coup de. It is a miracle of engineering and physics, yes. But romantically, standing next to a heavy hydrogen fusion reactor,
is the closest you'll ever get to a star. Chancellor Li Qingzhao, public lecture. On s'approche vraiment de la toute fin. De la toute fin de l'arbre de recherche. Bon, le Pérou m'emmerde. Relation. Hop. Gérer. Non aligné. Hop, le Pérou. Tac. Confirmé et même rival. Tac. 19 août pour. Je suis à combien en cohésion? Je suis à 5-3. Réacteur à fusion à confinement hybride. C'est sûrement très bien. Things are cooling off. Qu'est-ce que j'ai fait? Califa, mais quel con. Moteur laser avancé. Ok. Torpille nucléaire, même si je suis pas sûr que ça serve un jour. Things are cooling off. Order is returning. Things are stabilizing. Things are cooling off. Rien que ça, oui, ça va pas augmenter de beaucoup. Quand même. Mission complete. Déclarer la guerre à l'Iran. Avec les États-Unis, avec l'Inde, pourquoi pas? Elle est à côté. Hop. Tac, tac. Prepping for next mission. Pourquoi est-ce que je peux pas déclarer tout de suite la guerre? Pourquoi est-ce que je peux pas déclarer la guerre? Avec la nation. Ah oui, c'est que là je suis allié avec les États-Unis typiquement, avec qui ont des armes nucléaires. Ouais. Donc il faut que là je gère mes alliés et que je passe tout le monde en normal. Ça y est. J'aurais pu laisser l'Union africaine, tant pis. Voilà, très bien, du coup. Ah ouais, zut. Zut. Oui, ça aurait été mieux, je garde. Ouais, non, c'est pas très grave. Je vais me débrouiller. Ça m'embêtait cette armée qui se retrouve là, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah tiens, j'ai un autre pays ici, l'Afghanistan. Que je contrôle pas. Je peux pas me faire. Il est contrôlé par qui? Par Projet Exode. Afghanistan. Bah si, je peux le mettre en rival. Pour le califat. Tac, 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 citron. Tu vas me blinder l'Inde, s'il te plaît. Protecting our interests. Gilou. Ready to go. C'est quand même un peu con que je me sois planté de pays. We'll restore peace to this nation. Il faut que je fasse gaffe, là. Je sais pas si je vais y arriver. At your service. J'aurais dû lui laisser un peu de temps. Tac. Hop. On va éviter de jouer le con une autre fois. Perdre des armées bêtement. Oh, je suis à 58%. Et Brieux. On my way to the capital. Tac. Torchef Lunatronique. Ça, c'est un favori. Ben voilà. Tac. Justement. 14-7, 12-2. Normalement, je crois que c'est ce qui est mieux. Alors, ça coûte un peu cher. En matière fissile, mais je crois que c'est quand même vraiment ce qui se fait de mieux. Making things safe for our people.
Le califat. Toc, toc, toc. Ok. Et voilà. C'était pas très très compliqué. Du coup, priorité 1,4. Ok. Pourquoi je peux pas lui faire un US Go Home? Bon, je vais laisser dans le coin. Ça peut servir contre l'Iran typiquement. Hop, go là. Ah oui, j'avais dit que j'enverrais les l'Inde. Bon, tant pis. Tapis pour l'Inde. Tac. Ah oui. Violence is abating. Things are stabilizing. Violence is abating. Deux succès critiques de suite. GG. Hop. Things are cooling off. Ah tiens, j'ai juste. Policy direction complete. Alors, déclarer la guerre si je fais l'Egypte. 0,01. Avec les États-Unis, non. Bon, et puis tu prends l'Afghanistan tant pis. Tac. Sol et Vénus, très bien, rejoins le réservoir. Tac. Téhéran. Alors ceci, je vais quand même les envoyer parce que comme il y a une autre armée. Bon d'accord. Tu vas aller là. Non. Par contre, tu vas aller là. Parce que c'est vous qui ferez l'Afghanistan. Hmm, 34%. Allez, rentre à la maison. Hop. Très bien, très bien, très bien. Alors, du coup, réservoir et flotte Jupiter. Hop, on partage le protocole. Tac. Et nickel. Et donc, vous retournez du coup autour de la Terre. Vous allez retourner. Pourquoi est-ce que j'ai que 4,4 de delta V? J'ai demandé de partager. Merde, c'est pas le même. Quel con. Quel con. C'est un échec complet. C'est un échec complet. Bon, je sens que ça va se terminer. C'est vraiment complètement stupide ce que j'ai fait. Un vrai gâchis. Bah, ils ont plus assez de stock. Juste pour le fun. Hop. Ici, je pourrais faire. Ça demanderait combien de temps? Station automatisée. C'est complètement stupide, hein. Je vais quand même le faire. Hop.
Comme ça, en plus, ça me fait un succès que je n'avais pas fait. Construire une station sur un point de Lagrange. Un dépôt de carburant. Avec même pas... S'il me faut quand même une pile de fission. Non, je peux faire un collecteur solaire. C'est stupide, j'adore ça. Hop. Alors, bah, du coup, réservoir va repartir de son côté. Escorte réservoir, voilà. Tac. Du coup, bah, vous êtes les perdus dans l'espace. Les perdus vont aller vers la station. Hop, ici. Voilà. Et pendant ce temps, toi qui te... de nouveau t'appeler réservoir, réserve, hop. Et bah tu vas repartir vers limite vers Vénus, vers Jupiter. Ouais. Parce que finalement, tu vas aller autour de Ganymède, tu vas aller rejoindre la flotte Jupiter. Tac. Il est perdu, annule son plan de vol. Je te demande d'aller vers... Ah, c'est vers la station que je voulais aller. Hop, allez. Hop. Thermite désactivé, ok. Hop. D'accord. Claque qu'elle prend. Oh la vache. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Merci d'avance de le faire, ça fait drôlement plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.